السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, nous allons parler des liens de parenté dans l'islam. On ne peut pas avoir un arbre sans de solides racines. Cette même vérité s'applique bien à la perception de la famille dans l'islam. Et parce que l'équilibre de la famille décide de l'équilibre de la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de préserver nos liens de parenté et de les prendre comme une partie sacrée dans la pratique de nos piliers de l'islam. La définition des liens de parenté dans la religion musulmane implique tous les rapports de sang tout en respectant un certain ordre de priorité, à savoir le père et mère, les frères et sœurs, les grands-pères et grands-mères, les oncles et tantes, les cousins et cousines. Et si le respect de ses parents est un devoir incontestable pour chaque individu musulman, la sauvegarde de ses liens revêt de la même importance, notamment avec ses proches, qu'ils soient de côté de son père ou de sa mère. Pourquoi est-il si important de sauvegarder ses liens de parenté? Dans le verset 1 du sourate 4, An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim » يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala ne tolère pas la rupture avec les proches de la famille et ordonne les musulmans de raffermir leurs relations de proximité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste à son tour sur l'importance de ces rapports dans son hadith rapporté par Bukhari « La yadkhulul jannata qati'un » ne rentre pas dans le paradis une personne qui coupe le lien de parenté. Ces relations sont si essentielles dans la construction d'une famille solide que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam tombait malade et était sur son lit de mort, il répétait à sa communauté « Vos liens de parenté, vos liens de parenté ». L'entretien des relations de sang passe par un ordre de priorité dans lequel les oncles paternels et maternels, ainsi que les tantes paternelles et maternelles, devront être respectés et bien traités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Tirmizi « Al-khalatu bi manzilatil ummi » La tante maternelle est comme la mère. Pour insister sur l'importance de ce lien pour chaque musulman, ceci ne dit pas qu'il faut traiter cette tante séparément ou de manière plus correcte que les autres, mais que sa place doit être équivalente ou presque à celle d'une mère, alors il faut bien s'occuper d'elle et de ses autres oncles et tantes. La rupture des liens de parenté est définie comme un lourd péché dans la religion musulmane. Cependant, dans un contexte comme nous le vivons aujourd'hui, nous observons bien que la tenue de ces relations est devenue de plus en plus difficile. Les excuses ne manquent pas pour expliquer le fait de rompre une relation avec un proche, mais Allah subhanahu wa ta'ala récompense au mieux celui qui tient à ses liens, même si l'autre partie le rejette ou ne le traite pas convenablement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Bukhari, « Celui qui respecte les liens de la parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien, c'est celui qui continue à respecter ses liens, même si ses proches les rompent. » En effet, maintenir une relation familiale basée sur de bons termes ne s'agit pas d'une diminution de son propre estime de soi ou d'une humiliation comme beaucoup le voient, mais c'est un acte de bienveillance et de compassion qu'Allah gratifie bien. Il n'est pas utile de ressasser le passé une fois que votre invité est là. Le pardon est la clé pour rétablir les relations troublées par des querelles. Oubliez donc les disputes passées. Faites l'effort de passer outre même si vous vous sentez blessé ou que vos droits n'ont pas été respectés. Le parfait exemple de ceci peut se trouver dans un épisode de la vie d'Abu Bakr. Il lui vint aux oreilles que son propre cousin, à qui il avait apporté une aide financière importante,
avait publiquement calomnié sa fille Aïcha. Abu Bakr arrêta immédiatement de lui donner de l'aide. Allah révéla au sujet de cette histoire le célèbre verset « Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire de dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Aussitôt qu'Abu Bakr entendit ce verset, il apporta de nouveau l'aide financière à son cousin et allant même jusqu'à lui donner plus qu'auparavant. Soyons unis. Une famille qui est unie est meilleure que celle où ses membres sont divisés. Même si vous n'êtes pas fâché avec aucun de vos proches, vous connaissez peut-être un membre de la famille qui n'est pas en très bon état avec un autre. Agissez comme un médiateur pour les réunir sous le même drapeau, celui de la fraternité islamique. Les premiers pas seront peut-être difficiles, surtout si des sentiments comme la fierté ou la colère font partie de l'équation. Rappelez alors à vos proches que cette situation n'est pas saine et que seul Iblis s'en réjouit, car il est celui qui aime briser les relations familiales. Comment entretenir ces relations de sang ? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « N'entrera pas au paradis celui qui rompt les liens de parenté. » Ce hadith implique que celui qui rejette ses proches ne sera pas parmi les premiers au paradis. Il est alors bien recommandé d'agir au profit de l'entretien de ses relations en allouant plus de temps au service de ses proches, à les aider financièrement et moralement, les rendre des visites ou du moins garder le contact s'ils habitent loin et surtout à être fier d'eux. Ces actes font d'une personne un bon musulman pratiquant. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.